Bonjour, je suis Diane Colline, je suis musicologue basée à Toronto, au Canada, et je me trouve aujourd'hui à Saint-Gall, à l'église Saint-Laurentson, pour l'inauguration du nouvel orgue Gol et le festival qui a lieu pour cette inauguration. Je me trouve aujourd'hui en compagnie d'Olivier Latry. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Donc, vous êtes professeur d'orgue au Conservatoire de Paris, vous êtes également concertiste. Vous êtes improvisateur. Oui. Si j'ai bien lu. Et vous êtes titulaire du grand orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est ça. Depuis quand êtes-vous titulaire de cet orgue? Je compte même plus les années, j'ose plus le dire, ça fait trop longtemps. C'est en 85, donc 38 ans. D'accord, ok. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre orgue? Oui, c'est pas mon orgue. C'est l'orgue de Notre-Dame. Oui. Ça, je précise quand même. Parce que, je pense que c'est important parce que souvent, les organistes pensent que l'orgue leur appartient. Oui. J'ai jamais eu cette sensation à Notre-Dame. Et je pense que c'est important de penser qu'on est là pour un temps restreint. Bon, ça peut être, dans mon cas, 4 décennies. Mais on n'est que dépositaire de cet instrument. Donc, on n'a aucun droit dessus. Mm-hmm. On est là simplement pour assurer un service liturgique, pour faire vivre et chanter l'instrument, et c'est tout. Mm-hmm. Voilà, donc pour moi c'est important. Donc alors il faut que je parle maintenant de cet instrument, qui n'est pas le mien. Et en fait c'est un instrument historique, mais composé de beaucoup de strates superposées, puisqu'il y a encore des tuyaux, très peu, il y en a 9, de 1402. On a beaucoup de choses du XVIIe et XVIIIe siècle, notamment le XVIIIe siècle avec Pierre Thierry et François-Henri Cliquot. Et l'orgue a été totalement reconstruit, mais avec ce matériel ancien par Aristide Cavaillé-Coll dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et c'est encore la structure de Cavaillé-Coll qu'on a maintenant. Mais depuis, évidemment, mon prédécesseur Pierre Cochereau avait électrifié l'instrument, donc il n'y avait qu'une console neuve et ajouté des jeux. Finalement, là, maintenant, l'orgue a vraiment ses strates successives et on peut vraiment jouer. Je dirais que c'est un orgue français, en fait. On peut jouer toute la musique française de manière assez convaincante. C'est plus difficile quand il s'agit d'aborder le répertoire de Bach ou le répertoire allemand. Mais par exemple, on peut jouer très très bien les grands jeux de l'époque classique française. On peut jouer la musique évidemment de Vierne, de Vidor, de Franck, sans aucun problème. Et aussi justement beaucoup d'incursions dans le répertoire contemporain. Là, je pense évidemment à Messiaen, à Jean-Louis Florenz, à Thierry Esquèche. Et l'improvisation. Oui, justement, on va peut-être en parler de l'improvisation. Oui. Mais avant ça, je voulais savoir, donc après l'incendie qui a eu lieu à Notre-Dame, cet instrument a été complètement démonté et est actuellement en nettoyage. Oui. Et va être réinstallé. Il est installé déjà. Il est installé. Et donc, oui. Quand est-ce que vous allez pouvoir jouer de nouveau? Jouer, ça, on n'en sait rien, en fait. L'harmonie, donc, qui consiste en fait, plutôt, c'est une égalisation. On va reprendre chaque tuyau et voir si tout est encore au point après les avoir déménagés, stockés, remis en place et tout ça. Donc, évidemment, il faudra accorder, mais il faudra aussi égaliser les tuyaux les uns par rapport aux autres. Et ça devrait être fait au printemps 2024. Il y aura une pause à l'été, puisque pendant l'été, il fait trop chaud pour harmoniser les tuyaux correctement. Et puis, on reprendra à l'automne pour la réouverture de la cathédrale le 8 décembre 2024. Voilà. Et l'orgue est déjà en place actuellement, en fait. Il est protégé par une grande bâche, mais il est là, sauf les tuyaux, bien sûr, mais tout ce qui est mécanique, console, les sommiers, tout est là. Et en attendant, du coup, vous avez beaucoup voyagé. Et vous avez joué sur énormément d'orgues. Oui, mais c'était déjà comme ça avant. C'était déjà comme ça avant. Bon, alors comment on se prépare pour jouer d'un orgue qu'on ne connaît absolument pas ou dont on ne connaît pas la console? Alors, heureusement, avec un peu d'habitude, bon, j'ai dû jouer 2500 concerts ou quelque chose comme ça, donc j'ai vu un certain nombre d'instruments, je connais les styles des facteurs d'orgue. Donc quand je sais que ici, par exemple, c'est un orgue de Kuhn au départ, qu'il a été restauré par Gol et agrandi par Gol et que la console est de rigueur, bon, ce sont des facteurs que je connais et globalement je sais où je vais à peu près. Mais ça ne change rien quand on arrive, on ne connaît pas le son en fait. Et donc il faut vraiment s'habituer, il faut tout entendre. Donc hier, quand je suis arrivé, j'ai déjà passé au moins une heure et demie à écouter l'orgue uniquement, sans faire de registration.
Et après ça, j'ai tâtonné un peu et il m'a fallu bien, 10 heures pour faire toutes les registrations. Sans compter qu'ici, évidemment, le lieu est un peu spécial avec les auxiliaires qui sont à différents endroits, etc. Donc, il faut justement jouer beaucoup avec la spatialisation du son. Comment rendre ça de manière intelligente et intelligible, c'est aussi important. Et vous êtes aussi, donc on en parlait précédemment, vous faites beaucoup d'improvisation ? C'est notre rôle, notamment à Notre-Dame. C'est aussi une tradition française. À Notre-Dame, on ne peut pas ou peut jouer de musique écrite parce que le problème de la musique écrite, c'est qu'elle est souvent trop courte ou trop longue. En tout cas, elle n'est jamais exacte par rapport à ce qui se passe à l'autel. Donc, pour être vraiment en phase avec ce qui se passe dans le chœur, on est toujours en train d'improviser, ce qui permet de s'arrêter quand on doit s'arrêter, et non pas 30 secondes plus tard. Ça permet aussi de s'harmoniser au style des chants, ou au style des paroles qui sont dites, ou au style des motets qui sont chantés par la maîtrise. Il est clair qu'après un motet de Palestrina, on ne va pas improviser dans le style Mozart, donc, ou l'inverse. Voilà, c'est ça aussi le rôle de l'improvisation, c'est de se fondre totalement et finalement d'accompagner la prière des fidèles et de créer cette atmosphère qui permettra d'atteindre quelque chose. Je vois. Et vous avez enregistré en 2021 un album consacré à Franz Liszt, que vous avez enregistré à la Philharmonie de Paris, avec un orgue Rigueur. Et donc, cette console qu'on voit derrière nous, c'est aussi une console Rigueur. Oui. Sauf que la console sur laquelle vous avez joué est toute blanche, si oui, je me souviens bien. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de cet album que vous avez enregistré ? Oui, alors concernant la couleur, vous savez, l'habit ne fait pas le moine, hein, donc c'est pas ça qui va changer grand-chose. Mais ceci dit, il s'est passé 7-8 ans depuis la construction de cet orgue. Et Rigueur a beaucoup évolué aussi dans sa conception des systèmes informatiques, etc. Et ici, le système est beaucoup plus performant que ce qu'il y a à la Philharmonie, par exemple. Donc, il faut à chaque fois réapprendre. C'est pas grave. Je veux dire, ça reste quand même très intuitif, heureusement. Donc, on s'en sort pas trop mal. L'album que j'ai enregistré à la Philharmonie, je voulais faire ça là parce que c'est un orgue vraiment orchestral. Et la musique de Liszt, finalement, on ne sait pas trop pour quel instrument elle a été écrite. Je ne suis pas sûr que Liszt lui-même l'ait su, sinon il n'aurait jamais écrit la même pièce pour piano, pour orchestre, pour orgue, je ne sais quoi. Ça prouve bien qu'on a une latitude d'adaptation à l'instrument extrêmement importante. Je ne me suis pas privé justement d'utiliser toutes les ressources de l'instrument pour essayer d'aller à fond dans la musique. Justement, cet instrument de la Philharmonie est extrêmement versatile, très expressif. On peut faire beaucoup de nuances dans tous les sens, avoir des sons très, très, très pianissimo, très forts, et puis surtout des nuances très progressives de l'un à l'autre, et avec des variétés de couleurs incroyables. Donc, pour moi, ça s'imposait de faire ça là. Et vous avez aussi écrit un livre la même année, en 2021, qui s'appelle À l'orgue de Notre-Dame, c'est ça ? Oui. Série d'entretiens avec un journaliste. Stéphane Friedrich. Voilà, oui. Stéphane Friedrich. Et dans cette, j'ai relevé une phrase. La vocation de l'organiste est avant tout celle d'un passeur de souffle, d'un passeur du souffle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Bah oui, c'est exactement ça, non ? Enfin, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, le passeur d'un souffle, effectivement, vous le prenez comme vous voulez sur le plan instrumental déjà. Bon. Premier degré, puisque l'orgue c'est du vent, si je puis m'exprimer ainsi. Surtout le souffle divin. Je veux dire que c'est quand même extrêmement important. Bon, la plupart des orgues sont quand même placés dans des lieux sacrés. Je pense que nous, organistes, nous avons cette mission justement de relier les mondes. Et l'éternité du son de l'orgue justement le permet. De joindre cette éternité céleste. Donc, on est là vraiment. Alors, il y a une autre phrase que je peux vous citer du livre qui est extrêmement chère, c'est qu'en fait, le rôle de l'organiste liturgique doublé d'un organiste concertiste est multiple, je dirais, quasi inversé. C'est-à-dire que quand on est dans une salle de concert, on va essayer de toucher le cœur des gens pour parvenir à leur âme, tandis que quand on est dans une église,
on va essayer de toucher l'âme des gens pour parvenir à leur cœur. Voilà, et ça, je trouve ça extrêmement important. Je trouve que cette double mission est fabuleuse. Du coup, en fait, je remercie le ciel tous les jours de m'avoir donné cette mission. C'est très beau. Merci beaucoup. Eh ben, nous allons parler un petit peu du lieu où nous nous trouvons. Est-ce que c'est la première fois que vous venez jouer à Saint-Gallen ? Non, j'avais joué à la cathédrale il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années. Et bon, j'avais trouvé la ville évidemment magnifique, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Et voilà, bah, je suis content de découvrir un autre lieu avec un autre orgue et une autre esthétique d'orgue d'ailleurs aussi. Voilà. Bah justement, parlant de cette esthétique, comment est-ce que vous trouvez cet orgue surround qui est assez particulier? Je ne me souviens pas avoir vu ça très souvent dans des églises en fait. Non, je veux dire que c'est quelque chose qui commence à se généraliser un petit peu en Allemagne, enfin dans les pays germaniques. Le premier exemple est évidemment la cathédrale de Freiburg, in Breisgau, où il y a quatre orgues très imposants. Mais alors c'est vraiment le même orgue dupliqué, enfin quatre fois, quand on a quatre fois le même orgue, par des facteurs différents, et on peut les jouer tous indépendamment ou d'une console générale en bas. Et après ça, et ça fait des petits, il y a des orgues comme ça du côté de Düsseldorf, etc., enfin un peu partout. Et je veux dire que c'est assez intéressant d'éclater le son de l'orgue. Parce qu'en fait, on peut s'en servir justement pour des effets particuliers, etc. Je pense que ça peut être aussi dangereux qu'utile. Par contre, parce que le problème effectivement de multiplier les emplacements est que le son a une vitesse de diffusion et que si vous vous situez à un endroit ou à un autre de l'église, vous allez entendre déjà des claviers ou des plans sonores plus tard ou plus tôt que d'autres et l'équilibre entre les plans sonores ne sera pas forcément le bon. Donc je pense qu'il faut vraiment faire très attention à ça et ne pas utiliser ça tout le temps. Voilà, ça c'est une chose. Mais par contre, ça donne une variété de couleurs incroyable et ça donne effectivement cet effet d'éloignement ou de quelque chose de très proche et aussi doublé évidemment des nombreuses couleurs qu'on peut trouver dans l'un ou l'autre des buffets. Donc voilà, c'est une expérience intéressante évidemment. Et je vais m'en servir beaucoup. Voilà, ben j'allais vous poser la question de cet instrument en particulier. Donc vous avez... Comment vous avez l'habitude de jouer sur plein d'orgues différents, mais chaque instrument a vraiment ses particularités. Est-ce que celui-là, il a une particularité? Déjà, celle-là. Je pense que c'est important de signaler qu'effectivement, c'est quand même si je dis que ça commence à se généraliser, on ne trouve pas des orgues comme ça éclatés dans l'espace partout. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir une première base de l'orgue Kuhn, comme ça, qui a servi réellement de développement à l'ensemble du projet. Et en fait, l'ensemble s'intègre très bien. C'est ça qui est important. Parce qu'on pourrait avoir, vous savez, non pas une globalité, mais des choses juxtaposées qui ne se mélangent pas. Et ce n'est pas le cas ici. Donc ça, c'est quand même important, il me semble. Parce que, justement, l'orgue, c'est avant tout l'alliage, les mélanges comme ça qui vont se créer. Et il n'y a que le tuyau qui peut faire ça réellement. C'est-à-dire quand vous jouez, tirez un jeu et vous en tirez un deuxième, vous n'avez à part deux jeux qui vont marcher en parallèle, mais une sonorité globale. Et c'est ça qui est important. Mmh. Et cette sonorité globale existe encore malgré l'éloignement des buffets. Ça, c'est intéressant. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre programme de ce soir? Alors justement, le programme, j'ai voulu faire quelque chose en rapport avec ces emplacements multiples. Alors évidemment, il y a des pièces où ça ne fonctionne pas. Par exemple, Bach, je ne veux pas m'amuser à faire des choses. J'avais pensé au début quand même jouer avec deux endroits, mais finalement, non. Voilà. Mais par contre, d'autres pièces, oui, vont utiliser ces buffets multiples et on va se balader. Et l'auditeur va avoir l'impression de se balader dans le son comme ça, qui va soit l'envelopper complètement ou qui va venir de gauche, de droite, de devant, etc. Et ça, c'est... Voilà, j'attends avec impatience les retours après le concert. Mmh. Et donc, votre programme? Oui, pardon. Alors, le programme, il y aura globalement trois parties. Une première partie avec des compositeurs de la période romantique française. Il y a Guillemont, Saint-Saëns,
Et Jacques Urélis, là-dedans, bon, il parlait mieux français qu'allemand, hein, donc, ou hongrois. Allez, on va le mettre dans les français. Un petit peu de cocorico. Non, il a jamais été reçu au conservatoire, le pauvre. Mais ça, non, bon, la musique française, de toute façon, la musique serait rien, serait pas ce qu'elle est actuellement sans Liszt. Donc voilà. Heureusement qu'il était là, ça a permis justement à Saint-Saëns d'écrire ce qu'il a écrit, à Vidor d'écrire ce qu'il a écrit, etc. Et donc, et à tous les autres, hein, je pense évidemment jusqu'à Dupré, etc. Donc voilà, ça c'est la première partie. La légende de Saint-François d'Assise parlant aux oiseaux a été transcrite justement par Saint-Saëns, dont on entendra trois extraits du carnaval qui ont été transcrits pour orgue par mon épouse, Shin Yong Lee. Et ces deux pièces vont permettre réellement de se balader totalement dans l'espace. Vous imaginez évidemment les chants d'oiseaux qui vont partir comme ça partout. Et voilà, c'est totalement féerique, enfin, vraiment. Et après ça, on reviendra à la base de l'orgue avec Jean-Sébastien Bach, la toccata d'Orienne. Finalement, pour s'extirper dans la musique française du XXe siècle avec Jean Alain et Jean Guillou. Alors, Jean Guillou nous a quittés il y a 4 ans, mais il faut penser que cette toccata a été écrite en 1953, c'est-à-dire qu'il y a en fait 15 ans de différence entre l'aria de Jean Alain que j'avais joué et la toccata de Jean Guillou. C'est finalement deux pièces pratiquement d'un même tenant, j'allais dire, mais qui vont aussi utiliser beaucoup toutes ces buffets, ces sonorités multiples. D'accord. Et puis, l'improvisation. Voilà. Ah oui. Alors là, je ne sais pas, normalement je devrais recevoir un thème, on verra, et puis à partir de là, ben, advienne qui pourra. Ok, eh bien merci beaucoup, et puis bon concert ce soir. Merci beaucoup. Merci.